Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve parce qu'on m'a demandé de faire le tutoriel pour une carte pour l'échec. Voilà, je ne me souviens plus le nom, enfin, le prénom. Je suis désolée, mais elle se reconnaîtra de toute façon. Donc je suis désolée de te le faire en retard comme ça, mais c'est vrai que je n'ai pas pu le faire avant. Donc malheureusement, il ne me reste que celle-là. Enfin, malheureusement, parce que j'aurais voulu vous montrer d'autres exemples. Mais... Donc, en fait, c'est une carte comme ceci. Voilà. Où on glisse le chèque et une carte. Voilà. Donc, bien sûr, je ne vais pas refaire la Reine des Neiges. Enfin, je vais essayer de refaire les mêmes, parce que c'est vrai que c'était ma collection de l'année d'avant. Donc du coup, je vais essayer de faire ça, hein, au moins pour que tu comprennes. Donc, je vais prendre une feuille A4. Voilà, c'est le marron. C'est le même que j'ai fait la grande photo là, du kit vert. Je suis désolée, mais c'est la dernière. Donc j'ai plus de. Je ne peux pas vous dire la couleur exacte. C'était marron, mais je ne sais plus. De toute façon, on l'adapte en fonction du papier. Du coup, je vais le faire avec cette collection de papier. Donc, c'est une collection Cultura. Il n'y a pas de nom. Voilà. Je vais faire ça avec celle-là. J'ai pris un peu au pif. Donc, on y va. Je vais choisir d'abord le papier. Hop. Donc, ah, en plus c'est un recto verso. Souvent le choix est dur. Mais en fait, c'est la même que je crois qu'elle y a encore en magasin. Moi, je l'avais pris l'année dernière, mais ça me dit quelque chose. Ouais, elle est trop belle celle-là. C'est dommage de la prendre. Celui-ci. Voyons pour lui. Parce qu'il va se couper le dessin. Très bien. Ça se couper, c'est dommage. J'ai bien envie de partir sur ces bandes là en fait, parce que du coup là le papier il va être coupé, donc je vais pas prendre de grands dessins pour le couper après, puisque de toute façon ça va être recouvert. Donc c'est pour ça. Donc je vais prendre ces bandes là. Voilà. Alors, déjà on va commencer par faire des plis. Alors je vais le garder dans la largeur de 21. Donc là, j'avais pris 9 de haut, donc ça fait 18, 18, 17. Voyons ce que ça donne. On va faire ça. Alors, du coup, les traits, les pliures, je vais les faire dans la longueur de 29,5, puisque je vous rappelle que je garde la longueur.
la largeur, pardon, de 21 pour que le chèque rentre bien. Voilà. Donc, je pense qu'en fait, je vais le faire un peu plus grand que celle-là. Parce que là, en fait, ça, c'était pour les enfants. Et les autres étaient un peu plus larges que j'avais fait. Donc, on va faire du 10. Après, on va faire un pli avec. Et là, je vais le laisser comme ça. Donc, en fait, je divise ma feuille en trois parties. Donc, 10, 10 et 9 et demi. Bon, peu importe, puisque de toute façon, le principal, c'est que ça va être le haut. Il faut qu'il soit plus petit que le bas, puisqu'on va venir le plier comme ça. Et je pense faire une bordure. Donc, du coup, ça enlèvera 1 centimètre en moyenne. Donc, je vais venir faire mes plis. Donc en fait, ça va donner ceci. Ça se sera collé. Donc ensuite, je vais venir replier. Ça, c'est le bas. Voilà. Et là, je vais venir le replier et l'attacher avec une attache parisienne. Et ça, je vais le faire avant de coller mes bords et tout, mon papier. Parce qu'après, je vais le cacher. Donc du coup, je viens plier mon papier. J'essaye que ce soit à peu près droit par rapport au bas. Ça, c'est facultatif, on n'est pas obligé de le faire. Et je viens le plier. Donc, en fait, voilà ce que ça va donner. Vous voyez, là, j'avais fait la pliure, mais ça va pas à la règle. Donc, le mieux, c'est carrément de mettre le papier en bas droit et après d'appuyer en le maintenant bien droit. Ah oui, j'ai pas mon... Ah, mince. J'ai pas ma pique. Donc, j'ai pas ma pique. Donc, je vais faire avec le cutter. Donc là, je vais venir mettre des attaches parisiennes. Là, là et là. Trois angles. Donc, je viens couper, enfin, planter mon cutter. C'est quand même mieux de le faire avec une pointe, hein, si vous avez. Voilà. Donc, voilà. Et là, on va venir y mettre des attaches parisiennes. Sauf que là, moi, je vais attendre, puisque je vais voir par rapport au papier. Je vais y mettre une chute de papier, là. Donc, je vais un peu attendre. Je mets là. Donc, ça va donner ceci. Alors, après, la déco, c'est vous qui allez voir ce que vous voulez faire. Mais le principe, c'est qu'il faut qu'en haut, ce soit ouvert. Alors, attendez, j'ai perdu mon bitonio pour couper, puisqu'il tient pas, il faut que je le change. Donc, je vais prendre ma perforatrice. Donc, bon, moi j'ai que celle-là, puisque je suis pas à l'atelier, mais vous prenez celle que vous voulez. Et là, je vais venir faire une bordure là. Sur le rabat en fait. Donc on y va. On se met droit. Je suis partie un peu en travers. Et voilà.
Voilà ce que ça va donner. On peut le faire un peu plus court si on veut. On fait ce qu'on veut en fait. C'est vraiment au choix. Pensez à faire la bordure si vous en faites une avant de couper le papier, puisque la dimension ne sera pas la même. C'est pour ça que je le fais maintenant. Donc ça, si vous voulez coller des aimants, c'est maintenant aussi. Moi, je vais juste en mettre un. Mais vous n'êtes pas obligé parce que ça tient bien. Là, il n'y en a pas. Ça tient quand même. Donc, bon, moi, je vais en mettre à y être. Donc, je vais venir d'abord le placer ici. Alors, je fais attention de ne pas le mettre trop près du bord, puisqu'il n'y aura pas de papier là. Et ensuite, je viens. Et puis, voilà. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, je vais venir m'occuper de comment je vais décorer tout ça. Alors, ça fait 10 cm de haut. Donc, il me faut. Ça va pas aller. Non, les bandes, en fait, elles sont pas assez grandes. Elles sont pas assez grandes, c'est dommage. Du coup, je trouve autre chose. Voilà, en fait, vous vous adaptez en fonction de la taille de votre travail. Normalement, moi, ça, je le fais avec des chutes, mais... je vais prendre celui-là. Je vais faire un mélange. Donc. Donc, je vais couper à 10 une bande de 10 cm. Non, 9 et demi, pardon. Même pas. Ouais, 9 et demi pour le haut. Pour l'intérieur aussi. 8. 8. 9 et demi. Donc, je sais pas. Alors, moi, est-ce que je fasse ça? Je suis désolée, hein, parce que c'est vrai que du coup, c'est pas préparé. Si je fais ça, ça tombe où? 9 et demi. 9 et demi. En fait, ce que je vais faire du coup, c'est que là, je vais couper ce dessin et faire en sorte qu'en fait, là, il y a une partie et là, on voit quand même la boule. Du coup, je vais glisser cette partie-là à l'intérieur. Comme ça, il y aura toujours la boule. Comme ça, on aura le dessin en entier, on ne le gaspillera pas en le coupant et qu'on n'ait qu'à moitié. Donc, je vérifie bien mes mesures avant. Donc, 8. 8 et demi. Donc, ça fait 8. Donc, je vais couper une bande à 8. Voilà. Et donc, une bande à... Fait des... Non, je vérifie quand même parce que une fois que c'est coupé, ah, 9 et demi. Voilà. Ensuite, là, je vais couper à 20 et demi puisque ma longueur fait 21, donc j'enlève un demi centimètre.
Bien sûr, comme je veux ce côté, je le mets à l'envers, le papier. Et je viens couper à 20 et demi. Bien sûr, ça, je le garde. Donc, ça va venir se placer comme ceci. Voilà, voyez. Et là, on verra le reste du dessin. Par contre, là, je sais pas si je le mets en entier ou pas. On va le mettre entier. Au diable l'avarice. Donc à 20 et demi. Vous n'êtes pas obligé de le mettre sur la longueur. Vous pouvez très bien couper que la partie qui se voit. Ça, c'est au choix. C'est vous qui voyez. Donc voilà. Donc cette partie va venir là. Ce qui fait qu'en fait, on verra quand même le dessin. Voilà. Donc ça, je pense que je vais essayer de garder ça et de le couper comme ceci. Ouais, je vais faire ça. Donc, je vais le faire de suite, comme ça j'aurai la marque. Donc là, comme le carré va bien en fait, je vais venir le placer comme ceci. Un petit rebord, mais pas trop. C'est mieux de le faire si vous avez des trombones ou quoi, comme ça au moins vous le voyez mieux. Enfin, c'est maintenu, mais là j'en ai pas. Et puis là, je viens retourner le papier. Alors, bien sûr, j'ai bougé. Donc là, là et là. Encore purée, mais c'est pas possible. Là, je viens faire un trait à l'envers et là j'ai plus qu'à couper, donc je le fais au cutter, mais oh au massicot, mais vous pouvez très bien le faire comme ça. Et normalement, ça devrait bien se mettre. Voilà. Juste, je vais couper un peu plus quand même. Ouais, je vais couper à 1 ou 2 mm. Parce que du coup, on voit pas le papier marron dessous. Il n'y a pas le petit rebord et ça me dérange un peu. Mais bon, ça, c'est moi après. J'ai la règle qui glisse. Et là, je vais juste couper aussi pareil, 1 ou 2 mm. Ça, c'est vraiment pour envoyer le rebord. On n'est vraiment pas obligé. Bon, ça glisse. Donc, je vais couper à 8,3 à peu près. Voilà. Et sur 20 et demi de large. Donc. Je regarde quel côté je préfère, puisque là c'est pas les mêmes. Là c'est marron et là c'est rouge. Quoique, alors je regarde déjà par rapport à ce que j'ai fait en fait. Donc ouais, là ça tombe pile poil. Voilà. Je vais venir bien sûr le coller. Là, c'est pareil, si on veut faire des décorations ou avec des attaches parisiennes et tout, il faut le faire avant de coller ce papier et celui-là.
Parce qu'une fois que c'est collé, ça va se voir, les attaches parisiennes. Donc, moi, je sais que je ne vais pas le faire. Mais si vous voulez en faire, pensez à le faire avant de coller les papiers. Parce que sinon, du coup, ça va pas faire joli, quoi. Ça m'a traversé l'esprit. C'est pour ça que je vous le dis. Pareil, si vous voulez pas mettre du papier partout, que vous voulez faire des tamponnages, pensez à le faire avant de coller, ou au moins avant de mettre les attaches parisiennes, parce qu'après, ça risque de vous gêner, vos tampons ne seront pas très beaux, puisque ce ne sera pas à plat. Par exemple, si vous voulez faire comme moi, là, je fais des tamponnages. Si vous les faites là, ça va forcément, ça va vous gêner les attaches parisiennes. Donc c'est pour ça que je vous dis de le faire avant si vous voulez en faire. Donc, eh bien. Donc là, je viens me mettre au centre droit et on colle. Donc voilà ce que ça va donner. Maintenant, il me reste le derrière à décorer. C'est facultatif aussi, vous n'êtes pas obligé de le décorer. C'est comme tout, c'est au choix. Moi, je vais quand même venir le décorer et je vais prendre une bande rouge. C'est dommage, elle est trop petite celle-là. Donc, je vais couper une bande de 9,5 de large. Non, de haut, pardon. Puisque ça a l'envers. De haut. Sur 20,5 de long. Ça, on met de côté. Je me cale au bord comme d'habitude. De côté, bien sûr, je suis partie de travers. Hop. Donc ça. Pareil, on fait attention que le double face dépasse pas parce qu'après ça va se coller partout. Et là, je prends ma bande de papier et je viens le coller. Après, si bien on peut le personnaliser, on peut marquer le prénom pour qui c'est, on fait vraiment comme on veut, quoi. Tout dépend de pourquoi vous le faites, quoi. Et pour qui. Donc, je me mets à peu près au même niveau. Et on colle. Voilà. Donc, ma pochette. Ma carte chèque est prête. Il me reste plus qu'à faire la carte à l'intérieur et à décorer un petit peu. Donc décorer, je vais le faire hors caméra puisque je sais pas. Déjà, je vais mettre mon pistolet à colle chaude en marche pour qu'il chauffe. Puis je verrai. Je sais pas. Si je le fais maintenant ou après. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Donc, alors voilà. Bon, j'ai pas fait trop de déco parce que voilà, j'ai pas grand chose ici. Et
Je le finirai plus tard. C'était vraiment pour qu'elle comprenne comment on faisait. De toute façon, après, ça dépend du style qu'elle va donner. Donc, voilà. Là, je vous ai juste fait la carte quand même pour marquer un mot. Donc, là, j'ai mis du papier écru que j'ai vieilli. J'ai tamponné pour qu'on puisse marquer un mot. Et là, c'est décoré. Et là, du coup, on peut mettre des tags aussi. Puisque j'ai mis un ruban juste pour glisser. Là, derrière, j'ai mis du papier décoratif. Mais on peut très bien mettre aussi du papier pour écrire. Donc, plus clair. Voilà. Même sur le rouge, ça se verrait. Mais bon, voilà. Ensuite, voilà, faut l'adapter à ce que vous voulez, vous. Vos goûts à vous et pour la personne à qui c'est. Voilà. Donc, là, on met le mot, la carte, le chèque, on ferme. On peut très bien aussi mettre un ruban pour fermer. Ça fait super joli. Je l'avais fait. D'ailleurs, je vous en présentais quelques-uns il y a quelques mois. J'avais fait une vidéo pour vous présenter mes cartes et mes cartes chèques. Et j'avais fait aussi des petites cartes pour les cartes cadeaux, vous savez. Donc, c'est le même principe, sauf que vous adaptez la taille par rapport à la carte que vous voulez faire. Donc, ou vous voulez mettre que la carte cadeau, style taille carte bancaire, et vous faites plus petit. Si vous voulez laisser le mot, des fois, il y a le carton là avec et tout. Fait. Vous adaptez par rapport aux mesures. Voilà, donc ben, j'espère que j'ai répondu à tes attentes, que du coup tu vas arriver à le faire. Bien sûr, tu me tiens au courant. Si j'ai pas été claire ou quoi, n'hésitez pas à me poser des questions. Vous le savez, je me ferai un plaisir de répondre. Même si là en ce moment j'ai un peu de retard dans mes réponses, mais c'est vrai que j'ai pas toutes les notifications et tous les messages de suite avec Internet qui bug. Vu le temps, vu comme il pleut, je suis pas sûre que ça s'arrange encore. Mais bon, c'est pas grave, c'est les joies de la campagne. Donc, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. Bye bye.